Bienvenue à tous dans ce second épisode de projet spécial confinement. Alors aujourd'hui, c'est un projet un peu spécial qui va être un peu long, je pense. Je vais refaire l'ensemble des poignées de portes des meubles de ma cuisine parce qu'ils sont complètement. Ils sont abîmés, il y en a certaines qui sont même cassées. Bref, je dois faire une vingtaine de poignées. Donc, sur le même principe, je ne peux utiliser que ce que j'ai chez moi parce que les magasins de bricolage sont fermés. Et donc, j'ai besoin de bois. J'ai ça. Alors. Voilà, donc j'ai ces deux vieux sommiers qui vont me servir pour d'autres projets. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer hop, toutes les lattes. Je peux faire 5 poignées par latte. Donc il me faut 8 lattes en tout. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, et 20, j'en ai une de plus, parfait. Donc maintenant, il faut tout coller, tout compresser pour qu'elle soit bien plate. Et on est de retour. Alors, j'ai fini de poncer plutôt grossièrement. Alors par contre, j'ai remarqué que sur certaines de mes poignées, j'avais deux plus ou moins types de problèmes. Le premier, c'est du bois qui s'est éclaté, comme par exemple là. Ou par exemple, où je suis allé couper trop loin. On voit là carrément le trait de la scie sauteuse. Donc ce que je vais faire, c'est forcément reboucher les trous. Donc il faut que je rebouche tous ces trous. Et pour faire ça, il y a deux techniques. La première, ce serait d'utiliser du mastic.
d'utiliser du mastic que j'avais mais que je n'ai plus. Donc je vais faire une seconde technique qui est d'utiliser donc de l'époxy et de la mélanger avec de la cire de bois. Alors malheureusement je viens de jeter ce que j'avais. Je sais que j'en ai dans l'aspirateur qui est là et je pense que je peux en trouver dans le filtre de ce que je viens d'aspirer de mon aspirateur ici. Donc c'est ce qu'on va faire en premier, on va récupérer cette poussière. Hop, c'est parti. Ok, on en a un petit peu. Et on va taper. On a notre poussière. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la mélanger avec de l'époxy. Donc, je vais laisser sécher toute la nuit. Et on se retrouve demain pour la suite. Allez! Comme vous pouvez voir, ça a un peu bouché tous les trous. Donc maintenant il me reste à faire les trous pour pouvoir les fixer. Et voilà, c'est fini. Alors, ça rend super bien au niveau des couleurs. Attends, on peut pas bien voir là. Mais... ça rend vraiment bien. Je suis super contente de l'effet. Ça fait un peu couteau de la guïole avec les petits points, je trouve. Voilà, bon, bah, j'espère que ce projet de quarantaine vous a plu. Maintenant que j'ai changé les poignées, j'ai envie de changer toutes les portes de ces meubles, mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà, donc n'oubliez pas de vous inscrire pour voir toutes les autres vidéos. De toute façon, vous n'avez pas grand chose d'autre à faire puisque vous êtes confiné. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de bien vous laver les mains, d'éternuer dans votre coude, et on se voit à la prochaine.